Si Dieu défendait de boire, aurait-il fait ce vin si bon ? En cette fin de XVIIIe siècle, l'homme qui apostrophe ainsi les convives d'un banquet où l'on sert le vin de la mission Aubryon, n'est autre que le gouverneur de Guyenne. Il porte un nom célèbre, celui de Richelieu, le cardinal, dont il est le petit-neveu. Si Dieu défendait de boire, aurait-il fait ce vin si bon ? Judicieuse exclamation. Car présence divine et excellence du vin sont deux clés essentielles pour pénétrer l'univers très personnel de la mission Aubryon. Mais revenons quelques siècles en arrière. La fondation du domaine remonte, dans les archives bordelaises, au XVIe siècle. Et à l'arrivée aux commandes en 1682 de la congrégation religieuse des Lazaristes, ou prêtre de la mission Aubryon créée par Saint Vincent de Paul le Landais, scellera le destin de la mission Aubryon. Et la vigne s'accommodera fort bien du savoir-faire recueilli des prêtres vignerons. Ils s'appliqueront à développer et à mettre en valeur ce vignoble à cheval sur deux communes de Pessac et de Talence, tapissées de graves qui donneront, bien plus tard, son appellation au vin si voluptueux né des cuves en bois des hommes de Dieu. En cette tâche, ils n'ont jamais trahi leur mission originelle, qui consistait à élever les esprits. La ravissante petite chapelle gothique pointue, devenue le cœur du domaine, sera bénie en 1698. Elle deviendra le symbole de la mission Aubryon. La révolution n'aura aucun égard pour les bons prêtres de Monsieur Vincent. Le domaine dit Aubryon la mission change alors de propriétaire et tombe en 1821 entre les mains d'un colon de la Nouvelle-Orléans, Célestin Chapella, qui lui donnera son nom définitif de château la mission Aubryon. Mais Chapella et plus tard son fils feront encore plus. Ils amélioreront avec passion les techniques de vinification des 20 hectares que couvre la mission. L'année 1862 couronne leurs efforts. La mission Aubryon reçoit la médaille d'or de l'Exposition universelle de Londres. Dès lors, le plafond de la petite chapelle ne suffira plus à inscrire en lettres d'or les grands millésimes. Nouveau propriétaire dès 1919, la famille Voltner restera 64 années aux commandes du domaine. Avec passion, elle continuera à ciseler ce joyau qui deviendra cru classé de grave en 1953. Le passage de cette famille restera à jamais symbolisé par les arcs ouvragés rapportés de Tolède qui ornent la façade du château. Le 2 novembre 1983, la famille Dillon, également en charge des destinées du château Aubryon, fera l'acquisition du domaine. En un quart de siècle, la famille Dillon initiera une seconde renaissance, méticuleuse et considérable, de la propriété. En 1987, un cuvier de haute technologie est créé. D'importantes rénovations de la chapelle et du château suivent. 20 ans plus tard, une vaste campagne de travaux donne naissance à de nouveaux espaces techniques, à une magnifique salle de dégustation, à des jardins totalement remaniés, mais également, hommage au prêtre lazariste, à un chai de 2000 mètres carrés moderne cathédrale du vin. Ce dernier est bâti en pierre de Frontenac, la même qui servit à l'édification, au XVIIIe siècle, des plus beaux monuments bordelais. Si elle perpétue la quête incessante de qualité entreprise par ses prédécesseurs, la famille Dillon s'efforce également de souligner l'ambiance magique et toute personnelle du lieu.
heureux mélange de quiétude et de mysticisme. Sans cesse à l'aménage, décor afin de conserver vie et âme à la mission, sous le regard bienveillant des moines des vitraux de Notre-Dame d'Aubrion. Un cloître accueille désormais les visiteurs du lieu. Lors de leur passage, les hôtes de la mission découvrent les meubles, les statues, les peintures et les gravures, offerts à leur regard en un respectueux hommage aux religieux qui ont fait l'ancienne réputation du lieu et lui ont donné ce supplément d'âme si exceptionnel. Mais le but suprême de chacun est d'accroître, à chaque millésime, l'excellence des produits de ce vignoble d'exception. Le château La Mission-Aubrion, très grand vin rouge, véritable trésor des Graves, et le château La Mission-Aubrion blanc, qui succédant au château La Ville-Aubrion, reprend, en 2010, le nom historique du vin blanc de ce terroir magique. Mais également la chapelle de La Mission-Aubrion, le second vin rouge issu des vignes les plus jeunes. Depuis les pères Barbiche, leur complicité avec la vigne, et grâce au travail incessant, aux innovations essentielles pour maintenir très haut sa qualité, le vin de La Mission-Aubrion a su garder, depuis le neveu du cardinal, sa personnalité unique. Un or profond, aux éclats de soleil et d'ambre pour le blanc, et cette teinte si dense, cette rondeur charnue, sinon charnelle, cette race, cette élégance, cette grâce qui définissent si bien La Mission-Aubrion. Assurément, monsieur de Richelieu, cette grâce possède quelque chose de divin.